Bah lui aussi il a le truc bleu au bras, Marcus. Et Connor l'avait aussi. Ah oui, ouais, c'est vrai, effectivement, ouais. Je viens juste de voir. C'est pas des vrais osios. On voit les osios. Bah ça fait peut-être moins de... Je dirais que c'est une personne avec un handicap qui habite dans cette maison. Ou une personne âgée. Je crois dans le manoir des Croft. Avant d'ouvrir les rideaux, je vais vérifier un petit truc. Je reviens. Donc j'avais raison pour moi. Il fait 12 degrés, avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. Ah, en plus, il fait la météo. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Moi, Marcus, toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Merci. Je viens à peine.
peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques endroits. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Je vais bien. Ils ont un souci avec la bouffe. Mais ils ont fait pas mal de progrès quand même. Bien, la porte elle s'ouvre toute seule. Mais ça peut être une idée quand même que dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Oui. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages. C'est bon. Pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, car... Je peux l'appeler, si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Ça peut être, non mais ça peut être une super idée, enfin super intéressant que, admettons oui, que le genre humain côtoie les androïdes. Pour des par exemple, par exemple pour l'aide à la personne, pour les transports, pour porter les personnes âgées. Ça pourrait être très très intéressant ce système là, mais bon après chacun son point de vue hein, mais il est très minutieux. Merci Marcus. Télévision. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Carl. Il est très gentil envers son androïde. Carl.
Bonjour Marc, PDG 007. Bienvenue. Je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Bonjour, Katourami 156, comment vas-tu? Bienvenue. C'est kiffant le jeu du piano. Alors je suis pas joué du piano. J'ai fait une bêtise? Ne me gronde pas, Carlo. Ah! Ceux qui sont différents, Marcus, ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. En fait, il fallait que je tapote sur mon touchpad, donc du coup, plus ou moins. Allons à l'atelier. Ok. Wow, c'est grand. C'est lumineux. Ça, c'est vachement classe. Voyons, on s'était arrêté. Vas-y, enlève le bras. Ouais, je nettoie l'atelier, je range. Je range l'atelier de peintre. Ton verdict, Marcus. C'est très bleu. Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que Demander si ça arrive un jour. Bah, justement, si ça arrive un jour, il y aura toujours ce grand débat. Car
commencé à parler de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin... Peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Ah. Bon, on va peindre quelque chose. Wow. C'est une copie conforme de la réalité. Bonjour DarkyTM, comment vas-tu? Bienvenue. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. J'ai pensé, mais après, ça serait une guerre sans fin. Je ne pense pas en être capable, ce n'est pas de mon programme. Vas-y, essaye, prends cette toile. Fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Oui, oui, merci. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Ouais, mais après... tellement symbolique. Tu... Salut papa. Et où? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Toi, t'es drogué. Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais. Je vais bien. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même, tes foutues peintures. Ah ah, mystérieux boule de gomme. Tu n'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. T'es un peu trop drogué, mon vieux. Ah.
Donc Léo n'était pas obligé. Si, Léo était obligé d'entrer. Ah, j'aurais pu faire d'autres trucs avant de réveiller Karl. Ah mince. Combien? 59%. Karl. D'accord. Soit j'avais le choix de lire. Soit de lire. Bon, après j'ai trouvé pour lire. Ok. Donc ça aurait été encore un autre choix. Conduire carte dans l'atelier. Bon, ça j'avais pas le choix. J'aurais pu copier le bureau. Pourquoi prendre? Pourquoi la toile de Karl? Je sais pas. Parce que je la trouvais belle. Voilà. Attention.